Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Stéphano, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 17ème épisode de notre Let's Play sur Zelda Twilight Princess HD en Hardcore Challenge sur le mode héroïque. Les amis, la dernière fois, eh bien, on avait encore perdu une vie, oui. Alors, un petit peu d'explication quand même sur comment c'est venu, etc. Bon, déjà j'ai merdé, hein, tout simplement. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. On espère qu'aujourd'hui ce sera un jour avec, bien sûr. Mais il y a aussi le fait que, comme vous le savez, j'enregistre des sessions, hein, d'épisodes. C'est-à-dire que là, par exemple, je tourne l'épisode 17. L'épisode 16 doit sortir au moment où j'enregistre, à peu près. Donc, vous m'avez à peu près rattrapé. Mais là, je vais reprendre un petit peu d'avance pendant 3-4 jours. Et du coup, au final, sur le premier épisode, t'es méga attentif. Sur le deuxième, machin. Mais au bout de 2-3 heures que t'enregistres, t'as bien le gameplay en main et tout. Peut-être qu'inconsciemment, tu te relâches un peu et tout. Et c'est peut-être ce qui s'est passé la dernière fois. Mais ça fait aussi partie du jeu. Hein. Très clairement, ça fait aussi partie du jeu. Et c'est comme ça. Et bien que peut-être je perdrai mes vies. On verra. Dans tous les cas, je suis revenu du coup. Ici, parce que oui, si vous êtes observateur, je suis ressorti. Pourquoi ? Parce que, en fait, je suis allé acheter des bombes. Tout simplement parce que c'est même pas une affaire de mieux s'en sortir contre les ennemis, c'est juste que sans bombes, je peux juste pas faire le temple. Vous allez voir, d'un point de vue gameplay, j'ai besoin d'avoir des bombes pour avancer dans le temple, et on va le voir très vite. Donc la dernière fois, on avait fait toute la partie gauche, puisque je rappelle, hein, ce qu'il faut faire, en fait, c'est tout simplement, il faut aller récupérer le miroir dans la salle, puisqu'on est dans la maison des Yetis, hein, ils sont plutôt sympathiques, regardez là, elle est plutôt gentille. C'est pas vraiment un temple, c'est une maison, c'est un manoir, donc ils sont accueillants. Donc ils sont ok pour nous donner le miroir, mais ils ont perdu la clé. Dommage quand même, hein. Donc voilà, donc à la fin on était allé chercher, et puis finalement on avait eu un potiron, hein, on s'en rappelle, qu'on avait donné ici. D'ailleurs, ici, c'est ça l'avantage, c'est que dans ce temple, on l'a vu dans la première partie du temple, j'ai perdu énormément de vie, vraiment énormément de vie. Mais bah heureusement, je pourrais venir me servir ici autant que je veux, donc ça c'est pas un problème, parce que vous êtes très nombreux à parier sur le fait que je vais perdre au moins une vie, si ce n'est plusieurs. Certains même pensent que je vais pas finir ce donjon et que je vais mourir avant. On verra, enfin que le let's play sera fini avant. On verra, mais vous êtes nombreux à penser qu'en tout cas je vais perdre beaucoup de cœur, donc peut-être une vie, peut-être plusieurs, on verra. Donc c'est bien d'avoir les potions à portée de main. On va continuer tranquillement parce que mine de rien, le temple il est encore gigantesque. Autant d'habitude en un épisode et demi on fait un temple. Autant là, ouais, alors eux par contre on va les esquiver directement, je crois. Yes, génial, ça c'est parfait. Alors là c'est fermé, c'est où? Ah oui, c'est à la fenêtre je crois. Il me semble que c'est à la fenêtre. Grimpe vite, je veux pas un loup sur ma tête. C'est bon, c'est ici. Autant là, on verra à la fin de l'épisode, mais je me dis, bah quand même, de mémoire, ah yes, super, il y en a plein de trucs là, de mémoire, j'aurais peut-être dû acheter des flèches, ça m'aurait aidé, bon, tant pis, de mémoire, les amis, ce temple-là est quand même giga grand, donc, on n'avait pas énormément avancé la dernière fois, donc je sais pas. Écoutez, on verra. Alors ce qu'il faut faire en fait, tout simplement là, c'est qu'en fait il faut, comme ça, vous voyez, prendre le boulet de canon, il va falloir qu'on pète en fait tout ce qu'il y a ici. Et c'est pour ça, entre autres, que je vais avoir besoin de bombes. Pas pour péter la glace, parce que péter la glace, non, ça ne pète pas les bombes avec la glace. Ce qui est d'ailleurs, oh ça c'est beau par contre. Ce qui est d'ailleurs, soit dit en passant, assez stupide, j'avais oublié qu'on pouvait faire ça. Alors ça marche, mais... Ouais voilà, ça marche, mais il faut vraiment... Yes, super. Vraiment bien visé. Ça recommence ici, de toute façon, on a l'habitude. Toi, reste derrière, hein, pas de soucis. Ok, voilà, faut vraiment bien viser. Mais par contre, les bombes vont m'aider pour... Yes. Les bombes vont m'aider pour activer les canons. Vous voyez, le canon qu'il y a ici, en fait, il va falloir mettre dedans, tranquillement, le petit boulet qui va disparaître à l'intérieur. Voilà, bon, d'ailleurs, c'est un petit peu bizarre comme ça se fait. Et on va actionner ici. Il suffit de mettre la petite bombe. Voilà. Alors bien évidemment j'ai toujours les fragments de cœur à côté, hein, donc on ne verra pas. Et voilà, c'est parfait. Donc les fragments de cœur dans la salle avec plusieurs chandeliers sur lesquels il faut se balancer. Donc on va éviter, hein, bien sûr. Et au premier étage, dans un couloir avec une table et des chaises, briser le plancher, puis sauter au rez-de-chaussée. Ouais, voilà, c'est un casse-tête. Oulala. Alors faire gaffe parce qu'on se rappelle que quand on tombe dans le vide... déjà il y a ça là. On se rappelle quand on tombe dans le vide. Oula, attention, oh, les deux d'un coup c'est bon. C'est souvent la merde. Oh là là, ce petit strike bien senti. J'ai envie de vous dire attention. Ah ouais, attention à pas partir dans le vide. À sauter comme ça. Je te ferais bien dégager moi. Il n'y a pas moyen. Oh là là. Attendez, à sauter là comme ça. Toi, on va te laisser. En vrai, tu m'intéresses pas. Nous, ce qu'il nous faut là, c'est la clé. Hein. Très clairement, ce qu'il nous faut. Bon, tampon. Alors, vous vous rappelez, hein, qu'on peut avoir les fameux tampons.
dans ce jeu. C'est vrai que jusqu'à maintenant, je les ai pas forcément pris à part dans le premier temple. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est la clé pour ouvrir le truc d'à côté, très clairement. Voilà, ça se passe. Bon, on a perdu un demi-cœur. De toute façon, des dégâts là. Ah, c'est la boussole. Ah, c'est la boussole. C'est problématique. C'est problématique parce que moi, c'est pas la boussole qui m'intéresse, c'est la clé. Ah, ah. Alors, attendez. Étonnant cette histoire. Ah ouais. Très très étonnant. Oh, attendez. Je viens de voir quelque chose qui peut-être pourrait m'intéresser. Ici là, est-ce qu'il faut pas utiliser le grappin? Oh, mais d'ailleurs, le grappin. Alors déjà, oui. Mais le grappin. En fait, le grappin va pouvoir m'aider, non? Alors déjà, vu qu'on a la boussole, carte, s'il te plaît. Ah, c'était dans la salle d'avant. Bah, au moins la boussole est prise. Hein. Au moins la boussole est prise, c'est une très bonne chose. Est-ce que le grappin pourrait pas m'aider à les défoncer? Je ne sais pas. Je vous avoue que. Allez, par exemple, si je viens là comme ça et que c'est ça. Ça. Est-ce que ça tue totalement? Je ne sais pas. J'avoue que je ne sais pas. Dans tous les cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ça. Il faudrait que j'essaie de récupérer. Waouh, 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 ils sont là, ils sont là, ils sont là. Attention. Il faudrait que j'essaie de récupérer ça. Est-ce que j'ai un endroit particulier? Non, je peux pas. J'ai pas l'impression que je puisse pour le moment. Alors attention quand même. On va faire attention, on va faire attention. Il faut que je trouve du coup l'accès. Peut-être que je me suis trompé. En fait, tout bêtement, ça peut arriver. Ça arrive au meilleur, bien sûr. On va s'arrêter là tout de suite. Mais peut-être que je me suis. Peut-être que je me suis trompé et que c'était dans la pièce d'avant. Et dans la pièce d'avant, ça m'étonne. Pour le coup, ça m'étonne énormément. Ah non, 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 non. Alors peut-être que c'est là et qu'il faut creuser. Parce que là, là, il y a. Ah oui, mais là, il y a un boulet, c'est vrai. Eh, mais je n'ai pas la clé. Alors, est-ce que j'ai oublié une clé? J'ai pas oublié une clé à gauche. Ah, c'est bon, regardez. Vous l'avez vu? En fait, il y a une clé qui est là. Alors, le. Bon, ça m'a servi à prendre la boussole, ce qui est quand même très important, hein, dirons-nous. Prends le coffre. Je veux prendre. Ouvre. Attention. On va les laisser. On va ouvrir le coffre. Ça, c'est une petite clé. Du coup, les petites clés sont. Donc maintenant, les petites clés sont de retour. Alors, je comprends toujours pas, je vous avoue, mais. Attention, ça me fonce dessus. Les petites clés sont donc de retour. Hop là. Voilà. Dans les petits coffres. J'ai envie de dire pourquoi pas. J'ai envie de dire pourquoi pas. Alors, attendez. Là, on a les boulets de canon. Donc, oui, voilà. Et avec ça, je peux notamment. Regardez. Je peux notamment faire ça. Voilà. Je vais pouvoir en amener un parce que là, ici, je crois que je peux le pousser. Ah non, je peux pas le pousser. Non, non, je ne peux pas. Alors, je peux aller là-haut, mais là-haut, on a un ennemi aussi. Donc là, en fait, la seule chose que je peux faire pour le moment, c'est un petit peu complexe pour l'instant, mais hop, c'est de l'amener ici. Et il va falloir le mettre dans le canon pour péter l'autre. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, nous, faut qu'on aille chercher les fameuses clés. Hein. Ni plus ni moins. Attention à ça. Super, ça commence. On prend des dégâts. Alors, eux. Yes, j'adore. Je l'ai touché, mais il m'a touché aussi, je crois. Oh là là, attention. Attention, on va se les faire. Vas-y, viens. Oh, il a esquivé. Mais c'est les pires, ces chiens. Voilà, les deux. Et. C'est bon. What the fuck, il y en a trois. Oh, attends, ils reviennent à l'infini. Non, mais dis pas ça. Ne dis pas qu'ils reviennent à l'infini. Non, il y en a peut-être un troisième. Ah, bien. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner. C'est bien qu'il évite de me venir dessus. Ne me vient pas dessus, s'il te plaît. Voilà. Non, mais alors, clairement, ces loups, là. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Bien. Celui-là, il était bon. Tu récupères, du coup, ce petit truc. Et on va pouvoir aller poser dessus. Bien, on fait le ménage et tout tranquillement. Il vaut mieux, il vaut mieux. J'ai vu qu'il y en avait un troisième qui était. Enfin, un quatrième qui était arrivé. Et donc là, ce qu'il faut faire, c'est que c'est sur ces grands trucs sur lesquels on ne peut pas faire grand chose. Il faut. Damn. Voilà. C'est bon. Alors, par contre, il y a des petits ennemis. Bon, les petits ennemis pour le moment, c'est pas trop important. On va avancer. Avance, sors vite. Voilà. Là, tu sors comme ça, tu les esquives. Allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On avance bien. Attends, c'est la salle du boss? La salle du mini-boss?
On est déjà au mini-boss. Alors le mini-boss me fait extrêmement peur. Je vous le dis, le mini-boss me fait extrêmement peur. On va voir. Mais le mini-boss me fait très 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 peur. Il est capable en fait de nous enlever énormément de vie. Mais une fois qu'on aura son objet, on sera quand même beaucoup plus tranquille. En revanche, voilà, regardez. Il est ouf ce mini-boss. Et il peut faire très très mal. Ok. On se concentre. Dans tous les let's play, on a eu du mal contre lui. Là, on n'a pas le droit à l'erreur. J'ai vraiment peur qu'il fasse très très mal. Regardez, là, en fait, il peut me faire mal avec son boulet. En vrai, ce qu'il faut faire, tire. Oh la vache, ce qu'il me met. Est-ce qu'il m'a enlevé toute ma vie ou pas? J'ai un doute. Tirer? Pourquoi tu tires pas? Bah oui, mais en même temps, je passe au-dessus, mais je suis obligé. Si je lève trop, je vais lui passer au-dessus, mais je vais atterrir au-dessus de lui. Oh là 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 là. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Alors, on le savait. On le savait que ce mini-boss allait être terrible, mais là... Bon, vous l'aviez tous prédit, hein, de toute façon. Vous l'aviez tous prédit qu'on allait mourir sur ce mini-boss, et qu'on va perdre une, voire plusieurs vies, et vous avez totalement raison. En fait, le fait de ne pas pouvoir énormément me régénérer, ça fait très 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 mal. Et c'est dommage parce qu'on était bien parti, et puis... ouais, on s'en fout, Ouais, c'est bon. On était bien parti. Et au final, il m'a déglingué. En fait, je comprends. Enfin, je sais qu'il faut pas aller trop au loin, mais j'étais dans ma tête, j'étais bon et surtout j'étais obligé en fait, parce que sinon j'allais me retrouver au-dessus de lui, j'allais être bloqué. Et c'est même pas le seul problème que j'ai avec ça, c'est que ouais, c'est chaud. C'est chaud. C'est qu'après, dans tous les cas, il lançait plus son truc. Là, il ne lance plus son truc après, donc je crois qu'on peut parer avec le grappin, je sais plus. Honnêtement, je sais plus. Bref, écoutez, on est reparti, il va falloir y arriver, hein, au bout d'un moment. Voilà, c'est bien. Yes, 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 yes. Alors, pareil là. Vas-y, tire. Je sais jamais s'il tire quand je suis proche ou quand je suis loin. Genre là, il me touchera pas là si je vais là-haut. Et le problème, voilà. Voilà, ben oui. Oh. Bon. Enfin, voilà, le problème, il est là, c'est que... Je suis obligé de boire, je sais même pas combien de cœurs il m'enlève. Ça va être... Bon, on va faire toute nos vies. On y est là. Là les gars, on y est. Ok. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Vas-y, viens. Tire, allez, vas-y, vas-y, vas-y. Je crois qu'il tire quand on passe, en fait, mais... Ouais, c'est là qu'il tire. Vas-y, go. Mais... Please. Wouhou. Yes, superbe.
vas-y. Ah là, il tire pas. Oh le bâtard. Une fois qu'on aura le boulet, ça ira mieux, mais. Ah bah désolé, du coup je me retrouve à spoiler les armes moi maintenant. Mais bon là. Dis-moi que c'est bon. Je suis pas sûr, je sais plus s'il n'y a pas une deuxième phase. Non, c'est bon. Bon. Là, clairement, depuis qu'on est dans ce temple, le nombre de cœurs que je perds, c'est assez violent. Hein, là, vous le voyez comme moi. Mais bon, au final, c'est terrible hein, ce que je vais dire. Je vais dire une phrase qui est horrible. Au final, on aura perdu qu'une seule vie sur ce boss. Vraiment, je me voyais déjà en perdre une deuxième. Là, quand j'ai bu la potion, j'étais en mode, c'est terminé. Bon, on a le boulet. Le boulet va nous aider énormément. Allez, on reprend confiance. On a perdu une vie, mais au final, bon, on avance dans les temples. C'est normal, c'est normal. On le sait qu'il y a très peu de chances qu'on termine le jeu. On le sait. Et donc là, maintenant, je vais pouvoir péter moi-même ça. Voilà. Et on va pouvoir, du coup, récupérer ce qu'on était venu chercher. À savoir, toujours pas. C'est un fromage toalien. Très bien. Ils sont très fans de toi, là. Allez, on se remet dedans. On est bien. On a réussi. On a progressé. Encore à manger. À l'entendre parler tout à l'heure, je me doutais que ce n'était pas la clé, mais quand même. Tant pis, il faut y retourner et lui redemander, on n'a pas le choix. Non, mais on y va. En fait, le truc, c'est que ce qu'il y a de dommageable, c'est pas la mort là-dessus. Franchement, cette mort-là, je pense que depuis le tout début du jeu, je pense que c'est la seule mort... Il n'y a pas de mort acceptable, mais... Je pense que c'est celle qu'on peut le plus entendre, en vrai. Parce qu'il est chaud, parce qu'une petite erreur, machin et tout. C'est... Ce qu'il y a de terrible, c'est la mort à l'épisode dernier. Là, deux morts en deux épisodes, là, c'est terrible, en fait. Parce que, à l'épisode dernier, voilà, c'était... Bon, voilà. Mais en tout cas, d'un côté, je suis content, parce que tous ceux qui disaient « Ouais, mais c'est trop facile, et machin, tiens, regarde, on monte. On monte en difficulté, alors attention. Tiens, je vais te filer, il manque quelque chose, ça sent bon, qu'est-ce que tu as trouvé ?» Et on récupère le fromage, et du coup, sa potion va régénérer plus de cœur. Mais c'est parfait. Bah oui. J'ai plus qu'à laisser mijoter maintenant. Tiens, goûte-moi ça. Allez, vas-y, on va goûter. De toute façon, on va se régénérer un bon coup là, parce que faut pas déconner au bout d'un moment. Hop, là, tu récupères ça. Et ta-da-da-dam, vous avez eu un soupe raffiné. 8 cœurs. Voilà, bon, même si en vrai, on en a pas vraiment besoin, parce qu'on a même pas 8 cœurs. Mais, au moins, c'est pris, c'est fait, et ça fait du bien. Enfin, disons-le. On va retourner voir la femme, parce qu'elle va nous indiquer maintenant dans quelle direction est la suite. Bon, on a le boulet, c'est cool. En vrai, si on perd qu'une seule vie sur ce temple, en vrai, je serais un peu déçu forcément, mais ça aurait pu être bien pire. Donc en vrai, ça peut le faire. On verra. Link, ça y est, je me souviens. Je l'ai laissé dans une pièce tout près de la chambre pour ne pas oublier où je l'ai mise. Finalement, je l'ai quand même oublié, j'ai vraiment honte. J'ai mis un symbole sur la carte. Ok, donc c'est au deuxième étage. Enfin, c'est au premier étage. Très bien. La clé est forcément dans cette pièce. Allez-y, je vous en prie. Ah, il faut passer par là. Ok, bah elle me donne directement la direction. Ça, c'est parfait. Parce qu'en fait, c'était surtout ça, moi, que je craignais. C'était de pas savoir dans quelle direction il fallait partir. Et en fait, elle me le dit. Ah ouais, c'est vrai, je me rappelle de tout ça. Oh, yes. Alors, évidemment, moi, je vais devoir faire tout ça. Hop. On fait ça. Ensuite, on a lui, là, qu'on peut faire. Alors, lui, on peut se le faire, tranquillement. Mais ça va demander un petit peu de... de temps. Est-ce qu'il peut venir jusque là? Ensuite il repasse. Et ça ne passe évidemment pas par là. J'ai fait de la merde. Attends, on va le laisser passer un premier coup. Là normalement ça ne touche pas. Voilà, vous voyez, il avance comme ça. Il va falloir, parce qu'ensuite il faudra qu'on vienne avec des boulets. Hop. Et ensuite il y en a encore. Et généralement ce qu'on fait c'est ça. Hop là, ça brise tout le monde. Hop là, ça brise tout le monde. Ok. On continue de grimper. Parce que je crois, voilà, je crois bien qu'il y en avait un deuxième. On avance. Allez, on oublie la mort, de toute façon. Si on a des vies, c'est justement pour nous laisser des secondes chances. Donc c'est bon. On avance. Parce que c'est pas fini, hein. Le temple est loin d'être fini. Donc il faut pas non plus qu'on se remette trop mal à cause de cette mort. Parce que derrière, il va encore y avoir des choses à faire. On va un petit peu péter tout ça. Attention. Oh bien, ça c'était joli. Et ensuite, il y a des trucs là-bas à casser, mais pour l'instant, je ne pourrais pas. Je peux venir là, mais il me faut une clé. Ok. Et je peux venir là. Alors, je sais plus s'il fallait pas que je vienne d'abord en bas. Je vous avoue que là, je fouille un peu, parce que là, je sais plus exactement. Hein, je vais être très franc, je sais plus exactement. Mais, ah, alors, il y a... Ouh,
Et oui, maintenant je peux les tuer. Maintenant que j'ai le boulet, en vrai, maintenant que j'ai le boulet, ça valait beaucoup mieux dans ce temple. Hein. Ça, c'est sûr. Mais bon. Le problème, c'était pour venir. Alors, il faut. Wouhou. Ça, pour moi. On va revérifier, mais. Dans la salle avec plusieurs chandeliers. Plusieurs chandeliers. Il y a bien écrit plusieurs chandeliers. Là, il n'y en a qu'un. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est regarder, il faut taper comme ça. Il y a bien écrit plusieurs chandeliers sur la solution. Donc logiquement, ce n'est pas le fragment de cœur. Donc ça peut être possiblement une clé. Et donc je suis obligé d'ouvrir. Voilà, c'est bon. Ok, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien. Dégage. On va, ouais, on repart par là, hein, très clairement. On prend plus de risques. Je vous le dis, je prends plus aucun risque. Après ce qui vient de se passer, après ce temple du malheur là, je prends plus de risques. Maintenant on va pouvoir aller en face tranquillement. Faudra qu'on revienne et tout après avec un boulet, mais on a le temps pour l'instant. Faisons ça tranquillement. Et là ici on va venir, je crois, dans une grande salle. Ouais, je crois voir quelle salle c'est. Pas du tout. Ça c'est l'entrée. En fait, ça c'est l'entrée. Plusieurs chandeliers, voilà, c'est l'entrée et ça c'est le fragment de cœur. Ça là-bas c'est le fragment de cœur 100%. Alors lui par contre me fait très peur là-bas parce que pour le faire. Donc on va pas aller à gauche, hein. Chercher le fragment de cœur, ça ne m'intéresse pas. En revanche. Yes, oh ça c'est bien joué. On l'a plutôt bien fait. Pour le coup on l'a plutôt bien réussi et on avance. Et là, est-ce que vous sentez que ça va mieux? Est-ce que vous sentez que ça va mieux? Il y a eu le boss, et encore même la mort du boss, c'est juste qu'il fait très mal. Hein. Enfin le boss, le mini-boss. Attends, on va péter tout ça. Voilà. On pète tout tranquillou, hein. Là je veux plus rien savoir. Vraiment, hop. Vous me défoncez ça. Ça m'a suffisamment saoulé là. Là maintenant on défonce. Vas-y. Pète ça. En même temps je peux péter tout ça derrière. C'est parfait. Je pète ça. Voilà. Là-bas, ici. Merci bien. Et on a tout cassé. Ah regardez ce qu'il y a ici. Alors il y a un spectre. D'ailleurs on va le faire parce que sinon il va m'emmerder. Donc on va le faire. Hop, attention quand même aux souris. Enfin aux souris, aux chauves-souris. Hop. On va le faire, c'est pas tant pour récupérer son âme de spectre dont je me fous un peu en réalité. Mais c'est surtout parce que. C'est surtout parce que là c'était un peu le temps. Je peux me faire comme ça, non? Ouais ouais, je peux me faire comme ça, donc ne prenons pas la tête. Et donc là il me faut une clé pour aller à droite, mais à droite ça ne m'intéresse pas, donc on va fouiller à gauche. On n'est pas si mal. Eh, on n'est pas si mal, je sais pas si on finira le temple aujourd'hui, mais on est pas trop mal pour l'instant, on s'embrouille pas trop et tout, c'est pas dégueu. Et du coup voilà, ce que je craignais arrive, ça c'est une partie que je crains, tout particulièrement. Parce que ça en gros, hop là, normalement, je peux aller là, est-ce que je peux pas aller là pour l'instant. Ouais mais je crois que c'est ça, hein. On va voir. Est-ce que c'est là? Oui c'est ça, bah, je crois que c'est la suite de ce qu'il faut que je fasse. En gros là maintenant il va falloir que j'active. Maintenant que j'ai le boulet, vous voyez, je vais pouvoir casser un petit peu différents trucs, notamment ici. Voilà. Et ici, et il va falloir réussir. Hop, voilà. À activer cet interrupteur. Et alors là, c'est là que la galère commence. Bon, je pensais que ça allait être compliqué, mais en fait, ça va. En fait, vous voyez, quand on se concentre et tout, je pense que je vous le ferai en ellipse, parce que souvent, ce genre de choses, je me concentre bien, mais il suffisait juste de faire un tour, ensuite, de le bloquer. Enfin, voilà, c'est... Non, c'est tranquille. C'est tranquille, c'est tranquille, c'est tranquille. Et du coup, c'est lequel que j'ai ouvert? C'est celui derrière que j'ai ouvert? Je sais pas, oui, je crois. Je crois que c'est ça que j'ai fait. Mais bref, c'était toujours assez tranquille. En gros, fallait mettre celui du milieu, fallait le mettre derrière d'abord pour mettre celui-là bloqué, puis ensuite l'op, celui du derrière, le remettre. Enfin, c'est juste un petit tour à faire. Est-ce vraiment lui? Du coup, à vous parler, je regarde pas ce que j'ouvre. Je suis incroyable. En bas, là, c'est, vous voyez, on voit sur la carte, c'est le Yeti. C'est en haut que j'ai ouvert, c'est en haut. C'est la porte du haut que j'ai ouvert, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Normalement, c'est... Voilà, c'est ça. Ok. Bien, bah écoutez... Franchement, même ça, dont je gardais des souvenirs un peu complexes, on est en train d'y arriver. Alors, on n'est pas encore... Voilà, on n'est pas encore sorti de l'auberge dans ce temple. Mais enfin, on avance. Là, en fait, ce qu'il va falloir qu'on fasse, notamment, ça va être déjà de dégager cette foirée, là. Voilà. En fait, vous voyez, ce qui me bloque, c'est lui, là-bas. Il va falloir qu'on se débarrasse de lui.
Très clairement, ça va être l'une de nos missions. Est-ce qu'il faudrait pas que je descende aussi? Je sais plus ce que j'ai fouillé, pas fouillé, moi, à force, c'est terrible. On va monter là, comme ça. Alors là, le problème, c'est que là, on risque... Voilà. Mais au moins, on se détermine juste après. Ok, alors pour ça, c'est pas mal. Comment est-ce que je peux me faire lui, déjà? Est-ce qu'il faut pas que je sorte par le milieu? Est-ce qu'il faut pas que je descende? Non, faut pas que je descende. Déjà, on va ouvrir ça comme ça, en bas. Voilà. Est-ce que je peux pas venir par là? Est-ce que je suis pas déjà venu par là? En fait, c'est ça que je ne sais plus. Je suis déjà venu par là, je suis déjà venu par là. Ah! Alors, attendez. Ah, je crois savoir. Est-ce qu'il n'y a pas un délire du genre? Oui, si, voilà. En fait, c'est ça. Il est discret, tu le vois pas au début, mais en fait, faut juste passer. Faut juste continuer ta route, en fait. Rien de bien complexe, fallait juste continuer notre route. Et comme ça on va pouvoir libérer ensuite des passages. Et tout en fait c'est ça, faut juste libérer. Faut enlever la glace, faut libérer les passages. Et une fois que la glace est libérée, ça va mieux. Alors là, je ne peux pas aller comme ça. Donc là il suffit juste. Bon bah c'est. Il suffit juste de tourner ça. En espérant que ce soit le bon chemin. Mais je pense. J'ai peur par rapport à la description que ça en fait. J'ai peur qu'on soit. À un fragment de cœur. En même temps, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Attends, là, est-ce que c'est une petite clé? C'est une petite clé. C'est parfait, même si je sais pas du tout où elle va. Et c'est parfait. C'est dommage qu'on voit pas les portes verrouillées aussi sur la carte. Ce serait peut-être un peu facile, je vous l'accorde, mais d'un autre côté, ça pourrait être utile. Je suis de retour ici. Yes. Voilà. Et c'est le moment où tu te perds en fait. Là, il faut que je retrouve l'endroit dans lequel il faut aller. Ok, c'est bon, je sais où elle est. Je crois savoir où elle est. En fait, il faut que je remonte. Là, j'étais parti, j'étais retourné voir la femme et tout, mais en fait, il n'y a pas besoin normalement. Il me semble qu'en fait, c'est juste la petite salle, parce que mon objectif, moi, c'est de monter un boulet de canon pour tirer à un endroit bien précis, mais pour l'instant, je ne peux pas tirer à cet endroit bien précis parce que il y a des caisses qui bloquent. Et normalement, si je reviens là, c'est la salle entièrement glacée, et il y avait le truc à gauche. Voilà, c'est la salle entièrement glacée, et à gauche, normalement, il y a... Voilà, c'est bon, on s'y retrouve. Ah, ça devient vraiment un casse-tête hein. Ça... Yes, je vais me faire toucher, tu vas voir. Ça devient un casse-tête, mais du coup, logiquement. On espère. Yes, c'est bon, c'est là. C'est un petit peu problématique quand tu vois tout ce qu'il y a mais... Yes, j'adore. Je surkiffe cet endroit. Hop, je dégage tout ça. Voilà, je me refais toucher, bon. C'était sûr, hein, là, clairement, c'était sûr, mais... Tant pis, là on prend des dégâts. Hop. Ça dégage. Voilà. Ok. On a fait le plus important dans cette histoire. Ce qu'il faut qu'on fasse du coup maintenant, c'est qu'on saisisse ça comme ça. Et qu'on ouvre cette fameuse porte. Vous reconnaissez du coup, j'imagine. Et là, si vous regardez bien la carte, vous savez ce qu'il y a de l'autre côté. Pour l'instant, je vais rien dire, mais normalement, vous savez... ce qu'il y a de l'autre côté. Là maintenant ce qu'il faut qu'on fasse, maintenant qu'on a fait tout ce long chemin, on a quand même traversé toutes les hauteurs du manoir et tout. On a vraiment absolument tout traversé, tout ça pour revenir à cet endroit précis où on va retrouver normalement les... Voilà, cette caisse qui me bloque et de l'autre côté il y a les trois petits blocs. Voilà, enfin plus que deux. On avance. Et ensuite on va revenir là et on sera quasi bon une fois qu'on aura pété le truc qui est en haut. Parce que le truc qui est en haut, faut le péter de manière bien précise. Alors ça devrait aller là parce que au final je sais exactement où il faut aller. Et surtout on a globalement... Hop là. Globalement bien dégager le chemin. Donc ça devrait prendre que 2 minutes je pense. Je vois la durée de l'épisode aussi. Donc on verra. On verra, soit je vous fais un très long épisode soit... En vrai je me dis finir le temps pourrait quand même être bien. Comme ça on est débarrassé et tout, on n'a plus le stress. On aura un petit peu de répit la prochaine fois. Enfin ceci dit on va vite arriver dans le temple d'après. Là les temples s'enchaînent hein, vous l'avez vu donc... On verra. Pour l'instant on avance et on va chercher la clé. Ce qui est déjà le plus important. Hop, on va mettre ça ici. Et donc là, ce qu'il faut faire, tout simplement, vous l'avez compris, c'est que maintenant qu'on a débloqué le passage, il faut l'envoyer là-bas. En fait, il sert pas à casser quelque chose, ce boulet. Du moins, pas tout de suite. Là, pour l'instant, il sert juste... Ah, je peux pas passer, évidemment. Il sert juste, voilà, à être envoyé comme ça, là-bas. Comme ça, c'est bien. Et donc là, normalement, il bouge pas. Hein. J'espère qu'il bouge pas. Donc là, il suffit juste que je refasse le petit tour, tranquille. Non, est-ce que ça va être réapparu, cette merde? Oh merde, ça m'a apparu. Yes, j'adore. J'espère hein, que je pouvais passer comme ça. Mais pour moi, oui, c'est comme ça qu'il fallait faire. Donc là, faut faire gaffe parce que ici, si je gère pas,
je peux me prendre très vite le truc. C'est bon. Et ça fait très mal. Si tu te prends le truc, ça peut faire très vite très mal. Il te fait tomber, tu dois tout recommencer et tout. Enfin, c'est vite relou. Donc là, on revient là, on refait. Oui, de toute façon, on voit où est le boulet. Regardez sur la carte, en fait, le boulet reste. Il y a le petit point rouge. Et du coup, on revient ici, n'est-ce pas? Et hop, nous avons le boulet qui est ici. Et le boulet, tu l'amènes in fine là-dedans. Et il ne me reste plus qu'à sortir ici. Et là, vous savez où on va être. On va être au milieu, là où il y a le boulet de canon qui est ici. Voilà, parfait. On va se débarrasser de ça. Je sais pas si c'est utile, mais voilà. Et on n'a plus qu'à tirer ici pour le faire venir. Et on va pouvoir se débarrasser de la grosse bête. Oh oui. La grosse bête qui est là-bas, on va pouvoir s'en débarrasser. Pour enfin... Après, c'est plus qu'à... Après, on a fini quasiment. On n'a plus qu'à revenir. Enfin, on a fini. On a fini... On a fini cet endroit. D'ailleurs, celui-ci est en diagonale, exprès. On va pouvoir aller chercher la clé. Et une fois qu'on a ça... Hop. On sera... Bon, mesdames, messieurs, et on pourra aller faire le boss. Du coup, je pense qu'on va tenter. Par contre, le boss me fait très peur. Ça, par contre, je préfère votre toilette avec vous. Mais pareil, on a libéré l'accès au boss. Là, le boss, ensuite, c'est juste au-dessus. Donc, en fait, on va faire un aller-retour. On ira se prendre une petite potion, je pense. Mais on pourra revenir très vite parce qu'on n'aura plus qu'à grimper vu que maintenant tout est déverrouillé et tout. Vous voyez, parce que regardez, hop, là, c'est ici. Mais maintenant tout est déverrouillé, donc c'est tranquille. Donc, non, franchement, c'est pas mal. Alors, d'abord, on va aller chercher la clé. Avant toute chose. Allons chercher la clé. On se remettra bien. Alors, yo, non, on s'en fout, ignore-les. Voilà, tu passes juste, tu passes. Et donc là, on va arriver dans une salle qui est un peu chaude. Mais enfin, voilà, yes. Normalement, enfin un peu chaude, un peu beaucoup chaude en fait. Ils peuvent me tuer. Ils peuvent peut-être me tuer, il faut faire attention. Puis alors, le boss aussi peut me tuer parce que le boss peut faire encore plus de dégâts que l'autre en fait. Peut-être que je vais reperdre une vie sur le boss, on verra. Dans tous les cas, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on vienne là. Et là, yes. Voilà, donc c'est là où ça peut être problématique si je gère pas bien. Non. Non, non, non. Alors, heureusement, ils font pas... Ils font des dégâts, mais... Je veux dire... Ok. Surveillons bien ma vie, hein. C'est le plus important. Surveillons bien la vie. Là, je peux en faire deux d'un coup. La vie, ça va encore. C'est un demi-cœur à chaque fois. C'est un demi-cœur à chaque fois, donc ne te stresse pas, Julien, faut juste pas t'en prendre deux d'un coup, c'est le seul problème. Bois, prends pas de risque, bois. Très vite. Ok. Heureusement qu'on a les potions, en fait, parce que sans les potions, ça aurait été quand même compliqué. Hop. Allez, voyez, le problème, c'est que le temps que le truc revienne, je peux rien faire, en fait, c'est ça le problème. C'est ça mon vrai problème avec ça. Voilà, c'est... On a réussi. Ça s'ouvre. Et on peut récupérer la petite clé du boss. Elle est là. Elle est là, elle est belle. Normalement, c'est la clé du boss cette fois. Moi, je me sois planté, mais je crois pas. Et attention. Yes. Elle est jolie, la clé. La clé de la chambre. Elle permet d'ouvrir la porte de la pièce où est gardé le fragment du miroir des ombres. Parfait. Ouf, enfin, nous avons la clé. Ça nous a pris pas mal de temps, mais ce fragment de miroir est maintenant à portée de main. Alors, ce qu'il faut qu'on fasse, du coup, c'est qu'il faut qu'on aille lui parler. Ah non, elle est juste là. Ouh là là, mais non, ça va pas le faire. Ça va clairement pas le faire. En fait, moi je veux quand même aller me soigner avant, je vais me reprendre une potion. Alors là, vous rêvez. Vous rêvez. Mais en fait, voilà, elle est là, regardez. Je vais vous parler après. Vous êtes sain et sauf. J'ai bu un peu de la soupe que m'a concocté mon mari. Cela va un peu mieux. Je vois que vous avez la clé. Très bien. La chambre est juste à l'étage. Je vais vous y conduire. Ouais, mais sauf que... Dans les faits, c'est pas ce qui va se passer, parce que moi je vais rentrer me soigner. Vite fait. Mais en fait, vous voyez, ce temple, une fois que tout est ouvert, en fait, il y a des raccourcis, il y a énormément de petites salles, mais il y a des raccourcis dans absolument tous les sens. Donc en fait, ce temple est globalement assez tranquille, finalement. Ce qui est plutôt une bonne chose, disons-le. Oh, il est plus là. Oh tiens, je savais pas ça. On va remplir. Voilà, vas-y, bois. Mais globalement, quand je vois la durée de l'épisode... On va boire, si on se met full vie. Quand je vois la durée de l'épisode, ça confirme que... Enfin, je sais pas, on va voir à la fin, mais je pense qu'il sera un peu plus long que les autres, aux alentours de 50 minutes. Je pense que ce sera notre... ça va être notre record, entre guillemets. Ce qui tendrait à penser qu'effectivement, ce temple était un peu plus long, ou que j'ai un peu plus galéré dessus, ou que j'en avais pas fait assez la dernière fois. Bref, peu importe, mais en tout cas que... Tu vois. Comme ça, petit à petit, voilà. Alors, attention à ces trucs, c'est pas le moment de se prendre un dégât. Voilà, on passe ici, je... On remonte, on va à la salle du boss et on affronte le boss. Hein, je veux rien savoir. Est-ce qu'il y a des ennemis encore là-bas?
Qu'est-ce qu'il y a? Non, il n'y a plus personne. Ok, on y va. Let's go. Alors j'espère par contre qu'elle va pas... Ça va pas poser problème que je me sois barré, parce que normalement il y a une cinématique, à moins qu'elle m'attende déjà. Elle m'attend déjà devant. Parfait. Nous voici à la chambre en question. Pourquoi... Pourriez-vous ouvrir la porte? Bien sûr. Attention à ce boss, qui est à la fois facile et compliqué. Merci. Entrez donc. On est parti. Mais mine de rien, je suis quand même content parce que même si on a perdu une vie, on arrive à la fin d'un temple et c'est toujours un temple de plus de fées. Il en reste pas des masses. On n'est pas si loin que ça de la fin du jeu. On en a encore un petit peu de temps, mais on n'est pas si loin que ça. Si vous voulez bien, que puisqu'elle a dit, vous donnez la peine ou je sais pas quoi, le miroir est ici. Regardez, c'est ce miroir. Admirez-le. Il est magnifique, n'est-ce pas? On voit Link qui fait. Oui. Il est si beau. Ce si joli miroir. Bon, c'était évident. À partir du moment où elle rentre avec nous dans la salle, c'était évident. Vous l'avez compris. Le boss n'est autre. La Yeti, qui est possédée bien sûr par le miroir, par les forces obscures, mais c'est elle. Et alors vous allez voir, c'est un délire. Si vous ne connaissez pas le jeu, la musique de ce boss est incroyable. Je pense que c'est la meilleure musique de boss. Juste écoutez. Mais par contre, il va falloir quand même qu'on se fasse ça, d'abord. Okay. On est parti. Blizzarmia, masse glacée du crypte. Parce que je me rends pas du tout compte si on va prendre cher ou pas. On va voir. C'est parti. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est comme ça, dans un premier temps. Au début, la première phase est simple. Voilà, vous l'avez compris. La première phase, c'est ultra easy. La première phase est vraiment ultra easy. Dit-il en prenant deux cœurs. Deux cœurs, elle m'a mis deux cœurs. Attention. Attention quand même, elle met deux cœurs. Bien super. Ok, bon, on a fait la première phase, mais on a pris cher. Mais on a fait la première phase quand même. Et là, elle est pas contente. Ce cri. Et c'est là où la musique est incroyable. Et donc voilà, c'est ça qui est chaud. Là, maintenant, ça va être très chaud. Il va pas falloir se faire avoir. En fait, maintenant, tout se passe par là. Regardez. Tout se passe par là. Il faut tout regarder par le sol. Ah, vous voyez pas ce que je fais, mais je vous assure que c'est important ce que je viens de faire. En gros, voilà. J'ai libéré. Ok, ouais. En fait, il faut péter les piliers petit à petit parce que le problème, c'est qu'ils font des dégâts quand ils tombent. Mais en fait, petit à petit, on pète sa protection. C'est bon, cette fois, on évite de prendre les dégâts tout à l'heure. Hop. En pétant, on a raté. Donc là, elle va se poser. Elle va se poser, genre là. Ok. Prends immédiatement ça. Je pensais pas qu'elle m'enlèverait autant de vie. Ok, ça va être très chaud. Faut que je me concentre plus. Faut vraiment que je me concentre beaucoup plus. Se concentre, se concentre, se concentre. Ok. Easy. Et là. Go. Ok, on l'a touché. On la touche, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On la touche. Voilà, et en fait, il va falloir la toucher trois fois, je crois. Et à chaque fois, il va falloir répéter ça. C'est chaud et j'ai plus de potions. Concentration extrême, les amis. Là, vraiment, je me glisse, c'est terrible. C'est bien, vas-y, comme ça, au moins, on a un échappatoire aussi. C'est très important de casser ça parce que sans ça. On n'a pas d'échappatoire. Je l'ai touché, je crois. Je l'ai touché. Je l'ai touché. On est pas mal, on est pas mal, on est pas mal. On continue. On continue, on a toute notre vie. On a pris le truc, là, on a pris le truc. Pourquoi? 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 J'étais obligé de faire ça. Alors, au moins, je lui ai pété toutes ses protections.
C'est bon. On l'a eu. On l'a eu, les amis. On l'a eu, c'est bon. Ouh. Nouveau temple. Il nous reste des temples avant la fin. Il nous en reste plusieurs. Je vais pas en dire combien pour pas spoiler, mais je les vois dans ma tête. Donc je suis pas sûr, encore une fois, qu'on aura la vie suffisante pour. Surtout qu'on va commencer à rencontrer d'autres ennemis très puissants comme le mini-boss. Mais on avance. Ça nous fait deux fragments du miroir des ombres. Ce qui veut dire qu'il en reste deux à trouver, Link. Bon, vous savez qu'il y a minimum encore deux temples. En vrai, j'aimerais bien, pour le challenge, j'aimerais bien arriver au moins jusqu'à restaurer le miroir des ombres. Pour ceux qui voient, ensuite, il y a encore une partie du jeu, qui est la fin, globalement, je vais pas trop spoil. Mais je me dis, si les gens arrivaient à faire tout ça, on aurait... On va dire, si on fait un parallèle avec la première saison, on serait allé plus loin. On n'avait pas encore réussi à aller jusqu'à la fin du jeu, puisqu'on a perdu pendant la récolte pendant les sages, pendant les médaillons, qui peut s'apparenter finalement au miroir, un petit peu. Vite fait, dans l'idée, quoi. C'est première partie, les pierres contre là, les trois trucs du casque. Et ensuite, deuxième partie, les médaillons contre là, les fragments de miroir. Donc, c'est le premier objectif qu'on se fixe. Si on peut aller plus loin et réussir le jeu, ce serait incroyable. Mais pour l'instant, on se fixe ça. En 6 vies, je pense que c'est possible de faire encore 2 temples. Par contre, on y est peut-être allé un peu fort avec cette femme. Qui ne savait pas que le miroir des ombres avait le pouvoir de changer quelqu'un de la sorte. Les déesses n'auraient-elles eu que de faire des conséquences de cet objet sur les créatures mortelles? Quelle cruauté. Et alors évidemment, cet objet maintenant va beaucoup nous servir. Link, il nous faut récupérer les derniers fragments au plus vite. Je ne voudrais pas qu'il arrive quoi que ce soit à d'autres innocents. Et on n'a toujours pas de fragments de cœur, vous avez remarqué pour l'instant. Allez, il nous faut chercher les 2 derniers fragments. Sauf que... Attention. C'est toi, chérie. Mais que m'est-il arrivé? Ils sont mignons. T'inquiète pas, c'était qu'un mauvais rêve. Oh mais, tu m'avais offert ce miroir, j'y tiens beaucoup. C'est pas grave. Regarde-moi. Regarde-moi droit dans les yeux. Regarde mes yeux. Tu verras le reflet de la plus belle femme du monde. Ils sont mignons. C'est un peu kitsch, mais ils sont mignons. Tu vois, tu n'as plus besoin de miroir. Oh, chérie. Et là, du coup... Tant de... Oh, première fois du jeu qu'on voit des cœurs. Oh, on n'en voit jamais. Qu'est-ce que vous me manquez? C'était pas prévu. Je rappelle que ce n'était pas prévu. En vrai, est-ce que ça aurait pas été trop facile si on avait eu les cœurs? Parce qu'au final, vous voyez... Je sais pas. Bon, ça, la difficulté accélère quand même, parce qu'on a quand même perdu 2 cœurs, 2 vies en un coup. Par contre, je suis désolé, mais pour le kiff. Vraiment, pour le kiff. Non! J'en aurais pas eu assez, mais c'est pas grave. Pour le kiff, je voulais en prendre. Juste. Voilà. C'est la seule fois du jeu où on en a. Et on a donc notre réceptacle de cœurs, ce qui fait passer notre énergie à 8 cœurs. Allez, parfait. On peut s'en aller du coup. Tu es sûr que tu veux sortir tout de suite? Oui, j'ai fait absolument tout ce que je voulais faire, Midona. Bon! On va voir ce qu'ils vont nous dire, mais normalement, là, il n'y a pas de grosse cinématique ou quoi, il me semble pas. Donc, on va pouvoir se laisser ici, les amis. On va pouvoir se laisser ici. Et j'espère que ça vous aura plu, vraiment. J'espère vraiment que ça vous aura plu. C'était un épisode, encore une fois, bien sympathique. Et oui, il n'y a rien d'autre à faire. On se retrouve dès demain pour le prochain épisode, les amis. On espère que ça se passera mieux que les 2 derniers, on a quand même perdu 2 vies. Mais on avance quand même vachement bien dans le let's play, on a quand même fait déjà 5 temples. C'est pas mal, on perd moins d'une vie par temple, statistiquement. On perd moins d'une vie par temple, c'est pas mal. Globalement, c'est pas mal. Je vous fais des bisous, portez-vous bien, pensez à vous abonner, c'était Siphano. Ciao.